1er septembre 2016, en présence des officiels, Airtel Congo réunit la presse. Encore une conférence pour parler d'innovation qui est le credo d'Airtel Congo, le réseau des smartphones. C'est désormais une tradition de nous retrouver pour parler d'innovation et de comment nous pouvons impacter positivement la vie de nos populations. C'est encore une fois le cas ce jour car vous serez témoins privilégiés. Je le saurai tout à l'heure si vous vous considérez comme privilégié, d'un changement important dans nos pratiques commerciales et je puis dire dans notre vie tout court. Il faut dire que notre voyage avec Airtel Money a démarré il y a 5 ans et nous avions promis à cette époque qu'il serait exaltant, tant dans son mouvement que dans ses escales. Et celle-là, je vous l'assure, est belle. Une très belle escale, Airtel Congo lance le sticker et la carte Airtel Money. Une innovation extraordinaire qui révolutionne le mode de paiement en République du Congo. Cette carte, vous pouvez l'emmener où vous voulez. Vous pouvez la glisser dans votre poche, dans votre portefeuille. Vous pouvez coller la version sticker sur votre téléphone. Et d'un simple geste, vous pouvez payer dans un supermarché, dans une station-service, ou encore chez n'importe lequel de nos partenaires. Un paiement simplifié, réalisable en seulement 9 secondes. Pour payer, rapproche ta carte ou ton sticker du côté gauche du terminal de paiement, saisis le montant à payer, puis ton mot de passe Airtel Monnaie habituel. Valide la transaction et le reçu s'imprime immédiatement. 9 secondes. Mesdames, messieurs, je peux vous dire que la carte Airtel Monnaie a pu battre le record du Cellbolt. Si aujourd'hui, nous devons sortir de cette salle en retenant quelque chose de la carte Airtel Monnaie, ce sont ces 3 mots. Ces 3 mots qui caractérisent l'efficacité de cette carte, ces 3 mots qui caractérisent l'utilisation de cette carte au quotidien pour tout un chacun d'entre nous, ces 3 mots qui caractérisent l'efficacité des paiements mobiles. L'innovation d'Airtel Congo s'aligne parfaitement avec la volonté du gouvernement de la République. C'est celle de permettre à ce que tous les citoyens et les citoyennes qui sont dans notre République puissent bénéficier des produits innovants dans le secteur des nouvelles technologies. Et ici, nous sommes en train de voir un produit innovant, un produit qui va faciliter aussi les transactions. Parce que, comme a su bien le dire le maître de cérémonie, avec ce procédé, on arrive à battre Usain Bolt. Ce n'est pas facile. Hein. Pour le battre, on peut quand même applaudir Airtel. Voilà, donc vous accompagnez le gouvernement, raison pour laquelle nous sommes ici présents. Parce que vous allez arriver à proposer à nos concitoyens un produit qui permettra de faciliter non seulement les échanges, mais on peut dire quelque part de maximiser aussi les recettes. C'est un produit facile à l'usage parce que bon, il suffit seulement de rapprocher sa carte du terminal et puis de taper son code et la transaction est conclue. Ce que je peux vous dire, bravo à Airtel et j'espère que vous allez continuer à innover. Et nous avons besoin d'innovation dans le secteur des postes et télécommunications. Merci. Répondant aux questions des journalistes et démonstrations sur place, le directeur marketing précise qu'il s'agit d'une technologie de dernière génération, la technologie NFC. Monsieur le colis n'aura qu'à rapprocher la carte près du terminal. La technologie utilisée est une technologie NFC. Il n'y a pas de code à barre. Il suffit juste de rapprocher, la carte est équipée d'une puce NFC, il suffit juste de rapprocher la carte du terminal pour que le paiement soit accepté. La carte ou le sticker Airtel Money est lancé, disponible pour tous, dans les agences Airtel Congo. Si Ngekeve na yinabiki bokla kanalumputu puce, il y a Airtel Congo, moyen tinge kuzwa kartye asiki mpia. Donc, ngeme kwenda esika ba speak saka nyonso na betki tiksaka ngegeta la carte abetu e ngilenda kubaka yao.
RTL, le réseau des smartphones.